la fête internationale de la musique dans le département de la Maine-Oise. La célébration de la fête de la musique n'a pas vraiment été facile pour les artistes de la Maine-Oise en cette année de grâce de 2020. L'avènement de la pandémie liée au coronavirus ayant mis tout en branle, au moins 90% des créateurs des œuvres de l'esprit au chômage. Et même la nature n'était pas de leur côté ce jour-là. Bonsoir aux téléspectateurs de NGTV. Nous sommes bien sûr le 21 juin 2020 et comme vous le savez, c'est la fête internationale de musique. Alors, cette fête qui se célèbre, n'est-ce pas, sous forme de Covid. Le Covid, c'est cette pandémie, n'est-ce pas, qui est venue mettre en berne toutes les activités et les artistes ne sont pas en reste. Ici, dans la Maine-Oise, les artistes sont aussi en berne comme partout ailleurs sur le triangle national et même sur le plan international. Alors, les artistes, comme n'importe qui, passent des moments difficiles. Et c'est pour cela que vous avez dû remarquer que cette fois-ci, nous n'avons pas organisé un événement de haute facture parce qu'il est question de respecter les mesures barrières prescrites par l'OMS et par le gouvernement de la République du Cameroun. Donc nous avons choisi de venir ici à la base nautique, n'est-ce pas, pour juste donner une table ronde et que quelques artistes qui connaissent toucher à la guitare puissent s'amuser avec la guitare dans un cadre où il n'y a pas un grand public. C'est, n'est-ce pas, de cette manière que nous avons pensé célébrer cette 39e édition de la Fête internationale de musique. Pour parler des artistes, vous savez, depuis le mois de mars, les artistes de la Maine-Oise vivent généralement des activités artistico-musicales. Ils vont dans des événements, ils font des spectacles, c'est ça qui leur permet de vivre. Mais au jour d'aujourd'hui, tout est arrêté. Ça veut dire que les artistes passent des moments difficiles, comme un peu dans différents autres domaines. Donc, ce que nous avons fait, c'est juste de conseiller nos membres, n'est-ce pas, de respecter les mesures barrières pour que cette pandémie ne touche pas un seul artiste de la Maine-Oise. Je pense que les gardes sont en train de respecter. Et jusqu'aujourd'hui, aucun cas de maladie n'est signalé, n'est-ce pas, aucun cas de Covid n'est signalé parmi les artistes de la Maine-Oise. Ce sont des moments difficiles pour nous. Et on ne pensait pas à ça, c'est une maladie comme les autres. Ça nous touche parce que l'artiste vivait de son art. De 3 mois, l'artiste n'a pas en caché, c'est très grave pour nous. Donc cette pandémie devait finir. Pour nous, non plus que ça finisse, pour que nous puissions encore jouer nos guitares, pour chercher de quoi nourrir notre famille. Et pour la fête de la musique que vous venez de dire, vraiment, nous sommes beaucoup inquiets, nous sommes dérangés, nous sommes morts. Parce que nous, en tant qu'artistes, nous, on vit aux dépens de la musique. On vit aux dépens de ça. Mais on est surpris que le corona est venu tout gâter, mettre tout en épargne. De telle manière que, si vous voyez qu'on est ici au lac, en train de jouir la fête de la musique, on est dépassé, on ne sait comment faire. C'est pour ça qu'on est venu, on a quitté du Carrefour du Star pour venir à l'Alliance parce qu'on ne pouvait pas organiser là-bas. Si on organisait au Carrefour du Star, ça devait amener plus du monde. Et que le préfet a donné son point de vue, qu'on ne tente pas à réunir 10 personnes à la fois ou 50 personnes. Alors c'est pour cela qu'on est venu ici au lac, et pour instaurer ça et permettre, comme la cour est grande, ça va nous permettre que les gens doivent être distancés pour nous suivre au moins chanter. Et on chante comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Mais contre vents et marées, ils ont dû déplacer leur lieu de célébration habituel pour la base nautique de Tchan, où une pluie torrentielle ayant débuté depuis la veille a empêché à tous les niveaux aux spectateurs de venir assister à ce concert gratuit. Déterminés comme toujours, les artistes se sont laissés entraîner par la flamme de la passion et voici le résultat. J'avais aimé Rose. Vêtements rose, j'achète le même.